Des services assurés. En face, une réception inefficace de la part des joueuses du ATM Aïn Tank qui n'ont pas su gérer cette rencontre devant le CR Toudja, qui lui n'a pas trouvé de difficulté pour se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Algérie. Les 22 premières minutes ont été largement dominées par les Bougiottes qui ont inscrit la majorité de leurs points sur des services. Les filles de Bouchiba Marachou n'ont pas su trouver la faille dans le camp adverse et terminent la manche sur un score de 25 à 8. Le deuxième set a été identique au premier. Les coéquipières de Fouzia Atmani ont gardé la même motivation et ont surplombé les Oranaises qui ont réussi à inscrire plus de points en cette deuxième période qui s'est soldée sur un résultat de 25 à 14. Le rythme du troisième et dernier set a légèrement augmenté du côté des camarades de Fotnassi Nadia qui n'ont pas pu revenir au score devant les filles de Toudja qui se sont montrées plus solides et remportent ainsi la dernière manche sur un score de 25 à 16. 3-7 à 0, tel était le score final de cette rencontre. On n'a pas eu beaucoup de problèmes, surtout en réception en complexe 1. Donc ils avaient un complexe 1 qui était vraiment faible. On les a attaqués au service et on a marqué la majorité des points sur service. Donc on n'a pas eu, l'adversaire n'a pas fait de résistance, surtout au service. Et c'est ce qui nous a facilité la tâche pendant les 3-7. Donc au départ on était menés genre point par point par les deux équipes. Ensuite on a dominé avec le service, on a dominé... Genre, chaque joueuse, elle ramène 5-6 points. L'attaque aussi, on était genre sans faute. Même les fautes banales, ça va. On a bien géré la rencontre. On est passé à côté, la réception. On est passé à côté jusqu'au troisième set. L'objectif, c'est pas l'objectif de la Coupe d'Algérie. Donc, l'objectif principal, c'est le maintien. On a deux matchs pour la première phase. Et on va, Inch'Allah, bientôt. Déjà, on a des blessures. On a des joueurs. Vu que la semaine prochaine, Inch'Allah, on se déplace à Tel-Seddouk. Le match d'aujourd'hui, bon, ben, les matchs pour les Coupes d'Algérie éliminatoires. Pour nous, c'est un match préparatif pour le play-down. Si pour nous, c'est parce que notre objectif, Inch'Allah, c'est le play-down. Et l'équipe de Toudja, on va, Inch'Allah, nous allons voir dans le deuxième tournoi. Donc pour moi, c'est un match préparatif pour la deuxième phase. Aller le plus loin possible en Coupe d'Algérie et assurer le maintien en championnat, un objectif que le club des ruines romaines Toudja tentera de concrétiser.